Coucou tout le monde, et bien du coup aujourd'hui on est samedi et je suis désolée, je vous ai pas parlé depuis jeudi je crois. Mais du coup j'ai pas eu le temps vu que j'étais en plein déménagement, donc autant vous dire que là ça y est, on arrive enfin à la fin. Je me dis que ça y est, ça, on va réussir, je vais réussir à aller dormir demain soir. Hein. Du coup c'est un petit peu la course en ce moment, donc j'ai pas pris le temps de vous parler. Vous voyez, là, ça doit résonner à mon avis. La pièce est à moitié vide, du coup. Du coup, dans mon nouveau logement, j'ai réussi à déballer certaines choses. Donc, je n'ai pas réussi à tout déballer. Mais bon, le plus important, c'est que les meubles sont pratiquement tous montés. Il me reste juste ma coiffeuse à emmener, du coup. Mais on va la remonter dans la journée de demain. Et demain, je pourrai y dormir. Du moins, j'espère. Et comme j'ai la poisse, bien évidemment, je n'ai pas d'eau chaude. Alors je ne sais pas si c'est le chauffe-eau qui a un problème. Donc je vais être obligée d'appeler. Mais bon, je vais voir s'ils prennent en compte le week-end. Parce que ça, je suis pas sûre que ce soit le cas. Donc bon, je vais bien voir. Mais du coup, demain, si j'ai toujours pas d'eau chaude, s'il y a quelqu'un pour répondre, j'appellerai et puis je verrai bien. Sinon, il faudra attendre lundi. Mais si j'ai pas d'eau chaude, j'ai oublié d'attendre longtemps. Ça va être compliqué, très très compliqué, parce que pas d'eau chaude, j'ai été obligée de laver, enfin, vu que j'ai tout rincé à l'eau, toute ma vaisselle et tout ça, qui était dans les cartons, c'est pas terrible quoi, l'eau froide. Bon, bah, bref, on verra bien ce que ça donne. Du coup, si j'ai le temps et si je suis pas trop crevée demain soir, je reviendrai vous voir et je vous montrerai peut-être le petit truc, mais c'est vrai que du coup, j'ai réussi quand même à ranger ma cuisine, à peu près, il y a. Enfin, il y a plein de choses qui restent sur le plan de travail parce qu'il me manque un meuble que je dois avoir la semaine prochaine, du coup. Donc tant qu'on me le ramène pas, je peux pas ranger. Donc du coup, tout ça est sur le plan de travail. Et puis bah, après, il faut que je range ma chambre et tout ça parce que bah, mon dressing est remonté. Et du coup, j'ai juste rangé même pas la moitié du dressing, donc j'ai pas eu le temps. Donc bon, bref. Je reviendrai sûrement vous voir demain soir. Du moins, je vous dirai au revoir demain soir. Donc... on verra bien, peu importe ma tête, on verra, peut-être que je serai démaquillée, peut-être que j'aurai l'air d'un fantôme, je sais pas, mais bon. C'est vrai que c'est pas facile, d'un fantôme, d'un mort vivant. C'est vrai que bah là, je commence à avoir mal de tête, il faut que je range un petit peu chez mes parents, parce que je vais pas laisser ça comme dans cet état-là. J'ai encore plein de trucs à faire demain, donc on verra bien. Surtout qu'en plus, lundi c'est la reprise et... Et voilà, donc il faut se remettre dans le bain lundi. Bon allez, j'ai d'autres choses à faire parce que ma soirée n'est pas terminée. Il est 7h30 pratiquement et j'ai encore certains trucs à faire, donc bon. Voilà, donc je vous dis à demain. Et tout le monde, bon bah c'est bon, du coup on y est, on est dimanche soir et ça y est, je vais dormir enfin là. Donc je suis super contente, j'ai pas mal de rangements à faire, du coup vous voyez c'est un peu, on va dire, sur le plan de travail... l'euphorie, il me manque un meuble, donc du coup je ne peux pas malheureusement tout ranger, donc là je vais peut-être essayer de me faire un peu de place et il faut que je fasse ma gamelle pour demain, du coup je viens de préparer mes vêtements pour demain, donc ça c'est fait, il faut que je fasse ma gamelle pour demain et il faut que je me fasse à manger pour ce soir, sinon bah je vais pas manger hein, ça serait bête. Non mais oui, du coup il faut absolument que je fasse à manger pour demain. We'll be right back.
programme, le gaz ne fonctionne pas, donc on a tout préparé et ça marche pas, donc je vais essayer de faire ça, la cuisson au micro-ondes, même si j'ai pas le bon bol adapté, c'est pas grave, je vais me débrouiller comme ça. Hein. J'espère que ce vlog vous a plu, c'est donc le dernier de ma catégorie déménagement. En tout cas, j'ai bien apprécié l'en faire avec vous, tout partager. Bon, il y a quelques petits trucs que je ne vous ai pas partagés, bien évidemment. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de refaire d'autres vlogs prochainement. Du coup, ce soir, ça va être repas assez light, vu qu'on a mangé à 4h et du coup, je me suis dit que ce serait mieux, vu qu'il faut que je me couche assez tôt. Donc une petite soupe, une semoule et puis évidemment un petit thé à la fin. Du coup pour moi c'est fini, je vais vous laisser sur ces dernières images. Je vais aller me démaquiller et me changer. Je vais me poser dans le canapé et manger mon repas du soir. Et je vais commencer la nouvelle saison, la saison 3 de Outlander. Donc voilà. Vous me perdez pendant un bon moment puisque je me connais et le problème c'est que je vais regarder le premier épisode et je vais vouloir voir la suite, mais bon c'est pas grave. J'ai un petit peu de temps pour le regarder étant donné que j'ai pas internet là du coup. Donc voilà, c'est tout pour ce petit vlog. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Et puis on se dit à très vite. Bisous! One to love and one to lose, sweet divine.